Bonjour à tous et bienvenue dans le... Je sais pas combien de tièmes, normalement si je dis pas de conneries, 14e. Mais vraiment si je dis pas des conneries, vraiment c'est un truc qui arrive pas souvent. De Supreme Commander 2. Je vous refais un, voire deux si je m'en sens envie. Parce qu'il faut que je tourne après du Dead Space 3 parce que disons que dans 2 jours, y a plus de vidéos, plus rien. Fini, vous n'avez plus rien. Je pars en vacances en plus. Une deuxième fois, oui. Je pars chez des amis. Je vous fais des petites vidéos tranquilles. Donc on en est alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, je me suis gouré. Oui bon 13-14 quoi. Épisode. Donc on va pouvoir entamer la deuxième mission d'Issibran. Qui je sais même plus ce que ça fait. Je sais même plus c'est quoi cette mission. Franchement la campagne Sibran, à part cette mission, celle qu'on avait fait dans le dernier épisode, la première. Une autre qui est vraiment très très compliquée. Et la dernière, je me souviens rien des autres. Les autres c'est quoi ? On me parle. Je ne comprends pas. Oh non, c'est cette mission, je la déteste, elle est horrible. Non, épargnez-moi s'il vous plaît. When I first discovered this planet some decades ago, I had one of my associates construct a small base. I did not, however, instruct him to build any type of research facility. Yet my readings indicate that the primary structure in this area includes a server and an enormous data center. I would very much like to capture its server core. Voilà, je hais cette mission. Je ne sais pas pourquoi, vous allez le voir directement. Hein. Quelques secondes, vous allez le voir. Je ne sais pas pourquoi. Dépêche-toi. Heaven knows the wayward Cybran Gage will be unable to glean anything from it beyond acknowledging that it is quite shiny. Let us explore. Ah, nouvelle recherche. Alors j'ai quoi? Oh, le classe exécuteur qui sert strictement à cette mission. Et le soir à son. Alors donc voilà. Il n'y a aucune, je dis bien aucune, aucune unité ennemie. Ils vont nous attaquer seulement avec des ingénieurs. Je vous jure, c'est horrible. C'est l'enfer le plus total. Ils vont nous envoyer une quantité astronomique. Je sais si c'est, si c'est ça qu'il faut dire, je ne sais plus. Ils vont nous envoyer des vagues d'ingénieurs énormes. Ils vont faire que capturer nos bâtiments. Je vous jure, c'est horrible. Donc là je me mets ici pour avoir droit à ça en plus. Et ici vous voyez il y a des points de défense de tir rapide. D'ailleurs, ramenez-vous par là sinon vous allez faire tirer dessus. Parfait, je vais les placer par là. Et c'est juste mais horrible. Alors peut-être que comme d'habitude depuis je me suis amélioré. Peut-être que je me suis amélioré et voilà, mais là, hein, sinon c'est vraiment... Là, au début, il n'y en a pas des masses, ça va. Ça va être plutôt douce. Tiens, capture l'ingénieur. Ouais, je demande à un ingénieur de s'auto-capturer. Toi, il nous faut... Non ! Non, il nous faut l'énergie. On va placer ça comme ça. Allez vas-y vieux. Il va nous falloir pas mal de trucs par honte. Vas-y, t'es curieuse. Question musique, vous aurez pu faire des efforts les mecs. Rien. You are doing well, my child. Bon, on va capturer un peu tout ça, ça sert un petit peu à rien.
Générateur de bouclier, je sais pas si ce serait très utile. Ce serait peut-être plutôt cadence de tir qui serait utile. Tuer tous les ingénieurs qui arrivent par centaines de milliers. Je vous jure, c'est vrai. On va avancer doucement et tranquillement. Alors normalement, je sais que c'est là que je me suis fait avoir une fois comme ça. Je m'étais concentré par là, j'avais tout défoncé. Et en fait, il y a des ingénieurs, pas tout de suite, hein, mais dans genre 5-10 minutes. Les ingénieurs qui font tout le tour là, ils arrivent ici. Et ils m'avaient capturé, mais tout. Tout, j'avais des usines et tout, ils m'ont capturé toutes les usines. Puis moi, j'avais pas eu le temps de te remarquer. C'était l'enfer. Pour ça, je garde un très très mauvais souvenir de cette mission. Donc là, vous voyez, le problème c'est que, bon, bah voilà, ils ont des ressources, ça sert pas en foutre. C'est pour ça qu'ils nous envoient des millions et millions de gens. Et ils ont des tirs défense rapides, terrestres ici. Tout là, je crois. Hein. Après, ils ont beaucoup des aériens là. Tout là, il est aérien. Ce qui fait qu'on sait pas trop jamais avec quoi attaquer. C'est un petit peu le bordel. Et en fait, je crois que ouais, y a une stratégie qui est toute conne. Qu'est-ce que j'avais fait, mais... Je crois que j'avais détruit tout ça, et j'y avais été avec mon UCB. Parce que les ingénieurs peuvent pas capturer l'UCB. Alors bah je l'ai envoyé capturer son corps. Donc péter, je sais même plus ce qu'il faut faire. Non, c'est... Ouais, c'est ça, faut le capturer. Alors, on va recréer un ou deux nouveaux petits trucs. Histoire qu'il ne défonce pas la gueule. Ouais, regardez. Et hop, il y en a déjà 4 qui arrivent. Alors, est-ce que 3 petits machins, ça suffira, ça m'étonnerait. Je vais construire. Voilà, 4 tourelles. 4 tourelles devraient amplement faire l'affaire. Ouais, c'est vraiment... Qu'est-ce que je peux lui demander de fabriquer, lui? Parce que oui, on va avoir besoin d'unité, ça c'est sûr. Attendez, je regarde juste un petit truc. Voilà, c'est ça, ils peuvent. Je vais construire pas mal de cobras pour détruire ces trucs-là, je pense. Même déjà un KO, vous y arrivez. Je vais construire des cobras. Oh, déjà une usine, ça suffira. Je pense. Allez, là. Préparez-vous les mecs à l'époque. Allez, pétez-leur la gueule. Regardez, ils sont déjà en train d'essayer de capturer. Hein. Le problème, c'est qu'ils vont y arriver. Hein. Ils vont finir par arriver. Voilà, ils m'ont capturé un loyaliste. Voilà, vous voyez, ils m'ont capturé tous mes loyalistes. Ah, je vous jure, c'est chiant. Surtout que les unités terrestres n'êtes pas sont pas résistantes face à la capture. Ils sont capturés assez facilement. Ah, ressort toi, ressort. Essaye de sortir du coin. Je ne sais rien ce que tu peux faire. Ici. Je veux 5 cobras. 2 adaptateurs. 2 Brockman. Et on se dépêche. C'est possible, mais j'ai pas accès. Ok, quelques petits machins comme ça. Ouais, le problème c'est que les ingénieurs ils refabriquent et tout, donc c'est vraiment très difficile. C'est tout peut-être. Je lis pas ce qu'il dit sur le côté en fait. C'est pas très très important hein, de toute façon j'ai déjà fait. Bon, ici normalement je crois que 4 ça gère. Alors on va s'enlever.
toi, si tu viens pour faire, accélère-moi le tissu de tout cas. J'ai pas le droit, hein. J'ai pas le droit à un convertisseur de masse. Dommage. Ouais, les mecs, allez, ils détruisent tout, là. Pétez-moi toute l'existence de ces tours. Father, what is the story with Commander Gage? He was a proto-Cyberman like you. A proto-proto, if you will, whose parents volunteered him for the project. The initial changes I made to the Cyberman program, his DNA, and to the alien Seraphim DNA, produced a less than desirable result. You tested on humans? My child, without my quantum AI and the advanced computational power it provided, I can no longer run simulations like I could in the past. Ouais, causé. Je sais pas trop comment je vais attaquer en fait, parce que je me souviens qu'une parce que généralement vous savez je suis très aérien sur ce jeu là et j'avais détruit sans problème ça avec les canonnières. Le problème c'est qu'ici je me faisais défoncer la gueule par tout ce qui était anti-aérien pendant que j'étais en train de détruire ici. Donc là, je sais pas trop. My boy, you know how much I value research. Je réfléchis là, hein. Si je parle pas des masses, parce que je réfléchis. Regardez tous les cadavres d'ingénieurs qu'il y a. Ça se rajoute. Là ça va, ils en envoient 4, mais je crois que à partir d'un moment ils en envoient une 10. Bah tiens, fallait en parler pour que ça vienne. Regardez-moi ça, regardez tout ce qu'ils envoient. C'est le bordel. On va aussi faire des aériens. Est-ce que j'ai de quoi faire les canonniers en manque? Merde. C'est un petit peu un terrain vague, plein, le bordel. Excusez-moi tout ça. Ah, c'est un paquet des gemmes, parce que j'en ai. Ah là 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 là. Là j'ai mes loyalistes, j'ai mes adaptateurs, ils sont où là, les cobras sont là. Oh, t'as le bordel. Ah non! Non, mais c'est pas déjà, il me les capturer. Quel bordel. Comment on fait? Là, Regina, ça va me prendre du temps hein, pour la voir. Bon, en même temps, j'ai de l'argent, hein, c'est pas bien pour ok quelques petits trucs. Hein. Ouais, ça va, j'ai de l'argent. Il m'attaque plus par la mer là? Non? Ça va. Ouais, donc, si je fabrique pas d'unité navale, hein. C'est tout simplement si c'est inutile, parce que... Enfin, encore, je vais pas vous dire le truc, parce que pour ceux qui ont jamais joué au jeu, vous verrez que les deux trucs là sont très drôles. Je peux pas... les bateaux, en fait, je peux les ramener jusqu'ici. Voilà. Je peux détruire un peu toute la base, là. Mais ça sert à rien. Ça sert entre autres à rien, parce que déjà, ils vont... En plus, il y a plein d'ingénieurs qui vont se ramener et me capturer mes bateaux, qui vont se retourner contre moi et péter ma base. Pareil, par ici, je peux pas l'amener, ils vont se bloquer par là. Puis ils vont pas aller là pour détruire un peu tout. Ouais, donc non, ils servent à rien.
Je sais même pas pourquoi est-ce qu'il me demande de... Ah, c'est bon, je peux enfin avoir ma Georgina. Allez, un petit peu plus, un peu plus, un peu plus, et voilà. Voilà, maintenant, Regina. Ah donc, boosté par lui. Et ses conteneurs. Se couche. Les enfoirés qui s'est capturé tout. Là par contre ça va aller vite. Hein. Là faut quand même compter qu'ils sont 5. Hein. 3, donc, 2, donc, pour lui. C'est censé prendre 30 secondes. On va regarder sur le chrono qui est ici, dès qu'il y a une autre qui va commencer, qu'on se la prend. Allez. Ça a commencé à 25. On commence à fabriquer à 25. Donc c'est censé se terminer à 55. Voilà, ça a mis 15 secondes, ça a mis mi-temps en fait, la moitié du temps qui est censé pas une tête, oui. Est-ce que je peux déjà en envoyer 2-3 pour un peu les gêner? Je crois que quand je tire sur celui devant ça va, mais après je me fais défoncer la gueule par ce qui me dernier. Oh, regardez mon truc. Défoncez lui là et lui il s'occupe de la base qu'il a, il me gêne. Je vérifie qu'on se prenne pas des tirs. Défoncez. Donc derrière là il y a plein d'usines hein, qui fabriquent tout avec plein de défense bien sûr. Je peux pas autre chose de bon. C'est un petit peu leur dégâts, leur difficulté. Ça va, ça marche, ça. Ah mais non mais défoncez lui sa gueule à lui. Non, on se prend des tirs, on se prend des tirs. Ah, voilà, regardez la vitesse où il me les détruit. Pour ça, je fais gaffe parce que... Mais je peux pas faire évoluer mes Regina du coup. On va se replier, on va attendre de plus. Oh non, je vais sûrement pas faire d'élite sur cette mission parce que elle a beau être très chiante. Au début surtout. Elle va pas durer longtemps non plus, hein. Bon là elle fait, là ça fait un quart d'heure, 16 minutes, ouais. On va pas avoir trop de mal. Il faut juste que j'ai plus de régénère que ça. J'aimerais bien que ça aille plus vite, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils font? C'est un petit peu con le 3 là, hein. Je sais pas ce qu'ils foutent mais... Allez, boostez-moi lui. Tu me touches celui-là. Parfait. Le bouclier serait utile. Même si ça donne pas énormément de bouclier original. Donc ça va, on maîtrise. On maîtrise tranquille pépère. Non, combien d'original? Oh, c'est pas mirobolant. Les vieux sont en train de la fabriquer, pensons. Un petit peu. Ça peut être bien compliqué. Allez, c'est lent. Vous pouvez pas donner un petit peu votre soutien là, parce que ça sert un peu à rien ce que vous faites. Voilà, vous voyez comme vous voulez là. Vous aider. Donc ça fait mal ce truc là.
Regardez, putain, en plus ils ont vachement mal. Ces trucs-là, ils font vachement mal, donc c'est pour ça qu'ils sont vachement utiles. Et bon, bah ils tirent plus loin que les tourelles. Bon allez go là en avant, on fait des bulles. Je vais retourner derrière. Un piège technologique. Ouais. Eh ouais. C'est son full boosté, je sais qu'on se fait tirer dessus, mais un peu chaud. Le choix va devoir y avoir des pertes. Absolument je détruis, c'est ça. Pour laisser passer mon UCD. D'ailleurs, je vais me tuer un petit peu lui. Pourquoi mettre le F des mouvements, ça serait pas tant. Voilà, regardez-moi ça. Voilà, et maintenant, tenez la position ici. UCB ! Ah oui, pas de ça. Oui, bah, attends. Toutes les Ragena directement, tenez cette position ici. Toi, donne-toi, viens ici. Allez, plus vite. À 50% de vitesse. Ah bah, il va quand même vachement plus vite, là. Maintenant il n'y a plus qu'à prier pour que j'ai pas dit de conneries et qu'il n'y ait réellement pas de tour qui terrestre près des endroits. Sinon je suis légèrement en l'air. Bon, regardez, c'est bon, ça y a rien. Je vais vous détruire ça. Alors je crois qu'il y en a deux. Ah oui, il y en a là, merde. Vas-y, tire dessus, tire dessus. Un peu de vie, plus de dégâts. Allez, allez, c'est qu'il y a merde. Bon, repli. Repli, tu sers à rien sur ce que tu fais là. Non, c'est pas ça pour le c'est ça. Bon, tant pis, on va perdre beaucoup de Dragena là, mais de toute façon, on s'en capte. On va défoncer les trucs antiterrestres. J'espère bien de capturer ça. Non. Non, tu me refabriques pas un truc comme ça. Tue-le lui. Ou non. Non, capture-le lui. Ça va aller plus rapide. Si t'essaies de le buter. Oh, j'avoue, il a pas de lèvres. Ah, il le soigne. Il le soigne. These engineers are continuing to capture my forces. Ouais, bah oui, bah je sais. Mais... Et là, ils ont l'air totalement cons. Là, faut le dire, hein, les ennemis ont l'air cons. J'ai mon UCB chez eux, ils peuvent rien faire. Bon, s'ils peuvent, ils pourraient construire une armée dans les trucs antiterrestres. Mais bon, c'est l'IA, quoi. In order to see what made the engineer's software go awry. In fact, I can't think of anything I'd rather do over the next 67 hours. Let us proceed through the jump gate to Dr. Snyder's facility. Voilà. Mission complètement en moitié annexe, hein, parce qu'on est passé par ici avec notre vaisseau et c'était juste bizarre. Hein. On aurait pu laisser l'île peuplée de 1 500 000 ingénieurs. Mais non, faut qu'on se casse les couilles à venir là. Et j'ai fait un bon temps, madame. Et en plus, la vidéo est pas trop trop longue. Recherche technologie, oui, bah, je l'ai pas fait en même temps. C'est le temps qu'il fallait. Bon, et ben, je vous dis, salut à tous, merci d'avoir regardé cet épisode. Au prochain épisode. Et portez-vous bien d'ici là. Salut à tous!